Pointe gauche, Kennedy s'est avancé le long de la bande, remet vers la ligne bleue, c'est harponné par Tourigny, la sortie des cataractes, tout le Denis qui passe au centre, Bonnefort échappé, Bonnefort devant Fillon, le tir stoppé, la remet glisse, c'est le but! Alexis Bonnefort, but marqué en désavantage numérique, la rondelle qui est pénétrée très tranquillement. Le gardien Fillon croyait avoir arrêté cette rondelle, Claude, mais non, elle a réussi à percer sa muraille, 1-0 cataractes grâce à Alexis Bonnefond, bien servi par une passe du vétéran de 20 ans, Lou Félix Denis. 145 minutes sans marquer de but pour les cataractes. Ça vient de se terminer avec ce but en désavantage de l'Haïti. Les cataractes ont pris l'avance 1-0. Blais pour le Sanic sort de son territoire, il est au centre. Alors que Forgel attendait, il l'a contourné à passer à Truchon. Au centre pour Jacques, un tir bloqué. Belle arrêt de la Truchon. Fin de lancer garde rondelle. Tir du point qui a dévié. C'est Saint-Denis qui a effleuré la rondelle. Ça a raté la cible. Blais remet dans l'enclave. Ça va à Kennedy. Et devant. Oh, quel arrêt de la Fontaine. Bien à gauche qui est venu voler l'adversaire. Attaque massive se poursuit pour le Sanic. Truchon à gauche pour Kennedy. Kennedy rate complètement son tir du poignet. Ça va derrière le filet. Saint-Denis remet à Blais. Il est allé à droite. Comment de la Fontaine a-t-il pu stopper cette rondelle-là? Vous reverrez ça lors des faits saillants. Mais l'attaque se poursuit. Blais passe dans l'enclave. Le tir et le but. 1-1. C'est Gauguin qui marque ce but. Ouais. Ouais, en avantage numérique. Écoute, de la Fontaine venait de faire un arrêt incroyable au départ de Saint-Denis. Mais l'Océanique a quand même gardé contrôle de la rondelle. Gauguin était au haut de l'enclave. On a réussi à lui remettre cette rondelle. Il avait un peu de temps, un petit peu d'espace. Il a fait de la magie parce qu'il a envoyé cette rondelle dans la lucarne. C'est un. 9-23 à faire dans cette première période. L'égalité vient d'être créée. Alors, les unités spéciales ont leur mot à dire. Les cataractes ont marqué en désavantage numérique, mais l'Océanique a pris sa revanche lors de son deuxième avantage numérique. On est de retour au point de départ. La Fontaine est allée rapidement sur ses jambières. Je pense que c'est ce qui a causé l'ouverture. Alors, une première période à la droite, repoussée vers le coin. Double échec de Juzic à la droite d'un adversaire. S'en sort bien. Pour la Carpèche sur dégagement. Passe à la gauche. Tourigny a tiré le but! Jordan Tourigny redonne les devants aux cataractes, Claude. Un jeu un peu brouillon à l'entrée du territoire, mais les cataractes ont récupéré non pas une, mais deux rondelles libres. La deuxième, Golak n'a pas été égoïste. Il aurait pu lui-même lancer vers Fillon, mais il a repéré Tourigny à sa gauche. Il sait que les habiletés naturelles de Tourigny sont peut-être plus élevées que les siennes. Il remet cette rondelle à Tourigny qui, lui, touche la cible. C'est 2-1. Quatrième lancé par les cataractes depuis le début du match et deux fois. Ils ont réussi à battre le gardien Vincent Fillon, mais à sa décharge, Fillon, il avait son vers le coin. Dastou et Bonnefond sont là dans le coin pour les cataractes. C'est la deuxième unité d'attaque massive. La passe a été interceptée. C'est Barbachev pour le Sanic qui s'amène chez les quatre. Ça allait à droite. Barbachev se retrouve près du filet. Tire vers le tour et le but. Saint-Denis qui marque en désavantage numérique. Ben, c'est 1-1 dans ce rayon. Bonnefond avait marqué en première période. Cette fois-ci, c'est Saint-Denis qui récupère un retour de lancer de Barbachev. Un tir d'un angle fermé. De la Fontaine a laissé flotter ce retour dans l'enclave. Saint-Denis. Qui... L'Océanique reprend et retourne les cataractes dans leur zone. L'entrée de l'Océanique, c'est Kennedy. Le tir et le but. Oh, le tic-tac-toe parfait. Et Jacob Mathieu donne du coin de l'aile droite avec un tir sur réception par le gardien de la Fontaine. Rimouski prend l'avance 3-2. Je ne sais pas si Callum Booth, pas Callum Booth, mais Angus Booth va avoir gain de cause, mais il parle avec l'officiel. Claude, les juges de ligne vont se parler. Chose certaine, c'est un tir incroyable, là, celui de Mathieu. Passe la rondelle vers le 90, Gauguin. C'est envoyé derrière le filet des cataractes. Tourigny qui est sur le coup d'épaule d'un adversaire. Par contre, joueur de l'Océanique a réussi à sortir la rondelle. Et là, c'est le but! L'Océanique va chercher un quatrième but. Retour de lancer disponible dans l'enclave. De la Fontaine avait perdu cette rondelle de vue, je crois, Claude. Et en bout de ligne, je pense que c'est Pilote qui a marqué ses 4-2. Ouais, et celui-là, il fait mal parce que ça oblige les cataractes à jouer du hockey de rattrapage. Deux buts de retard pour les quatre. On n'est même pas à mi-chemin dans le match. Avec les problèmes offensifs que les cataractes ont eu dernièrement, faudra amener plus de rondelles. La rondelle avait dévié sur De la Fontaine et il la cherchait par la suite. Et elle était là pour un joueur de l'Océanique qui fait 4-2. Écoute, l'Océanique amène des rondelles au filet, ça paye. 18 tirs cadrés pour l'Océanique, 10 seulement pour les cataractes. Dominique Pilote sorti des cataractes avec Chprinard. Chprinard vers Dupuis. L'entrée territoire du 96 des cataractes, il est à la droite. Envoie vers Chprinard. Tourigny complète la passe. Le tir de Chprinard, bel arrêt de 20.
Coughlin. Coughlin laisse derrière à Aguilar, à Barbachev. Barbachev à gauche vers Coughlin. Il est à la pointe. Passe à droite vers Maël Saint-Denis. Les joueurs de l'Ossonic qui tournent en rond pour l'instant. Des passes, mais pas de lancer. Ça va à Coughlin qui est au centre. Un lancé qui rate à la droite. Ça revient dans la cage. Le tir et le but. Oh, ouais, celui-là fait mal. Oui, 5-2. La Fontaine s'est fait prendre hors position. Claude Larondelle qui a touché la bande derrière lui est revenu et passé sous son équipement. Il était vraiment dans une position vulnérable. Et c'est Saint-Denis qui en profite. Touche la cible. C'est 5-2. Deuxième but du numéro 37 dans ce match. Les deux en deuxième période. Et le Sanic qui prend le large avec ses trois buts d'avance et moins de trois minutes à faire en troisième période. Ouais. Des fois, la rondelle, quand c'est Booth qui poursuit l'attaque pour les Cataractes. Et on est en désavantage numérique du côté des Cats. On intercepte la rondelle. Passe à Denis qui est dans la clave. Tire le but! Léo Félix Denis. Un autre but inscrit en désavantage numérique. Il va rendre la fin de match intéressant. Les Cataractes venaient de cogner à la porte de l'Océanique. On avait bousillé une belle chance. Claude, on a récupéré la rondelle grâce à Bonnefond. Il remet la rondelle à Denis. Degen est bas. Partie rapide des Cataractes. C'est Ménard qui passe au centre vers Chprinard. Chprinard du côté de Dastou. Ça mène en échappée. Dastou la fête. Et on repousse la rondelle à sa droite. Ça s'en va à la ligne bleue. De la Fontaine retourne au banc pour les Cataractes. Chprinard qui veut remettre derrière. Rondelle qui lui est revenue. Passe à Booth. 6 contre 4 pour les Cataractes. C'est Booth. Passe à Chprinard. Sur réception. Le but! Yann Chprinard. En fait, c'est son tir qui s'en est dans l'enclave qui a peut-être été dévié par Brett Juzic. Mais chose certaine, cette rondelle se retrouve derrière le gardien de l'Océanique. On a un match d'un seul but. 5 à 4 avec 3 minutes 17 à faire en troisième. Le tir de Chprinard semble avoir dévié sur Charles Truchon devant lui. On verra, peu importe qui l'a compté le but, les Cataractes maintenant sont à un but de l'adversaire. Et ça promet toute une fin de match. Ça mène à l'attaque à l'aile droite. Tente de couper le filet. Se retrouve derrière, veut remettre devant. Ça revient dans le coin à l'aile gauche. Remet à l'aile bleue. Le tir de Booth qui a été dévié. Le but! Un peu de chance là-dessus, on a amené la rondelle au filet chez les Cataractes. Il y a eu déviation et cette rondelle, comme par magie, se retrouve sur le bâton de Nathan Étier. Alors que Fillon était déporté. Mes chers amis, c'est 5-5. Et soudainement, le miracle est arrivé au centre Gervais Auto. Ouais, c'est du hockey junior, Steve. Hein? Ceux qui ont quitté. Des changements presque complets chez les Cataractes. C'est Denis qui retourne au banc. Blais dans le territoire des Cats. Passe à rondelle, va filer le tir et le but. L'Océanique va chercher le point. Bonnie Mathieu qui marque, fait signe à la foule de Ster et s'élève avec ses coéquipiers. Écoute, c'est une grosse victoire pour l'Océanique après avoir perdu une avance de 3 buts, mais les Cataractes Claude peuvent quand même sortir la tête haute. C'était 5-2. Grosse victoire pour le Sanic. Moi, je dirais grosse victoire morale également pour les Cataractes. Premièrement, avec les problèmes offensifs qu'on a connus dans les dernières semaines, personne n'y croyait à 5-2 en troisième période, mais ils sont revenus de l'arrière.